Good morning, allez, Yiden, le Suisse aujourd'hui, le Nishmat Mouvir Rabbi Shmuel Ben Shlomo Zalman. Et Richard Aaron Ben Fortuné Mazal, Norbert Avram Ben Fortuné Mazal et Claudie Trek Ben Fortuné Mazal. Si vous souhaitez vous aussi des deux, nous prochaines études du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet Tanit, Père Gimel Mishnah Aleph. Seder Taniot Elu Ha'amur Beirvi Arishona. Aval Tzmachim Sheshanu. Matrein Alehem Miyad. Vechen Shepasku Geshamim. Ben Geshem le Geshem Arbaim Yom, Matrin Alehem, Miad, Mipene Shei Makat Batsoret. Seder Taniot Elu, tout l'ordre le rituel des jeûnes à jeûner, comme ce qu'on avait appris, on commence avec les Talmidei Chachamim, puis après c'est tout le monde avec un jeûne facile relativement qui commence depuis le matin, et après avec un jeûne qui commence depuis la veille, mais encore pour le moment, on aura le droit de travailler, puis. Après, d'un coup, on fait les 7 jeunes qui deviennent très rigoureux, où on sort dans la rue pour faire des tfilotes avec tout un si rituel de tfilotes, et toutes les brachot qu'on jetait pendant la mida et les chauffards qu'on sonnait. Bien, ce seder taniot, ce rituel de fonctionner comme ça en allant en progressivement, selon le temps que les pluies traînent à venir. Donc, seder taniot elu, amour, le rituel des jeunes qui ont été cités. Birvi arishona, ce n'est que pour la première pluie qui traîne à venir. Parce qu'en fait, comme il explique le Tosot Yom Tov au nom du Ran, c'est quelque chose qui arrive, que la pluie traîne à venir, mais finalement la pluie elle finira, Bezrat Hashem, peut-être à venir, ensuite, et puis on rattrapera tout ce qu'on n'a pas eu comme pluie depuis maintenant, on n'aura pas encore été endommagé. Par contre, Aval Tzmachim Sheshanu, si toutefois il y a eu les végétaux, par exemple les récoltes que comment dire, les déganim, j'ai pas le mot, c'est pas grave, les céréales, qui, par exemple, qui ont changé. Ouais, ça fait pousser, par exemple, des grains de blé, où il y a une belle écorce, mais c'est vide à l'intérieur. Il y a des maladies, c'est des maladies qui peuvent frapper les végétaux. Eh bien, matrein alehem miyad, directement, on tire toutes les alarmes. Le mot de matria, c'est, on sonne le chauffard, depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on avait appris dans les 7, vous vous rappelez, quand on avançait à Draga, on avait 13 jeunes à faire, en fait, en public, 13 jeunes publics. 3 light, 3 moyens, et puis après 7 ont bombardé. Ça devenait très strict, il fallait sortir des tuiles spéciales. Eh bien, ça, tu le feras depuis tout de suite. Et comme il rapporte dans le Menachet Shlomo au nom du Ran, au nom du Tour, Sivan Tef Kufayin He, que on jeûnera 3 jeûnes, bet he bet. Depuis tout de suite, avec toute la 3 jeûnes, directement on les instaure bet he bet, lundi, jeudi, et le lundi suivant. En sortant, en faisant ça, on fera toutes les tuilotes avec tous les chauffards et tout ça. D'accord? Depuis immédiatement. Pourquoi? Parce que comme ce qu'on a dit, comme ce qu'on a commencé à expliquer au nom du Ran, lorsque les pluies, elles traînent à venir, ça fait partie aussi du cours naturel du monde où des fois ça traîne à venir. Donc on ne va pas tirer toutes les alarmes depuis le début, mais on commence quand même à allumer une petite lumière orange qui clignote, après une petite lumière rouge qui clignote, et puis après, lorsque ça devient franchement rouge, alors ça hurle. Et ça sonne. D'accord? Ça, c'est pour le talir classique, où ça va, la pluie, des fois, elle peut traîner à venir. Mais si toutefois, il y a eu un problème qui s'est passé, c'est pas normal. On a dévié du cours naturel, et Ratsoui devant Hachem, on est en train de se faire punir. Il y a ici un décret du ciel contre nous. Il faut absolument faire tchouva depuis tout de suite. Donc on sort, on tire toutes les alarmes, et on fait ça, donc, comme on a dit, bête et bête, à 3 jeunes déjà. Si toutefois la pluie elle a commencé à bien tomber à la bonne heure, ou même avec un peu de retard, là, ça change. Hein. Et puis après, lorsqu'on attendait encore d'avoir de bonnes quantités de pluie, d'un coup ça s'arrête. On patiente, 40 jours qui passent sans une goutte de pluie. C'est que là, on a un vrai problème. C'est que Mina Shamim, on n'est pas content de nous, c'est le moment de faire tchouva. Donc, qu'il y a eu une interruption des pluies d'une pluie à l'autre entre plus de 40 jours, c'est-à-dire l'autre elle est toujours pas arrivée, on a déjà passé 40 jours, et bien matrine, alen, miyad, je reprends le mot, on tirera toutes les alarmes depuis tout de suite, c'est-à-dire on sonnera le chauffeur depuis tout de suite, avec toute la totale, les tfilotes et les ajouts dans l'amida. Mais penéché imakat batsoret, parce que ça c'est le signe. En ce moment on est en train de se faire frapper de disette. C'est pas la famine, c'est la batsoret. Batsoret, ça veut dire que ça vient, il y a moins de quantité. Et Mlachonsar. On est plus à l'étroit. Eh bien, puisque maintenant, c'est clair, Mina Shamaim, on n'est pas content de nous, alors tout de suite, on tire toutes les armes, et on fait une retchouva et des vraies tfilotes. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine.